Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on est à Italia. Ah oui, on est à Naples, du coup en Italie. Demain je pense qu'on va aller à Capri. En fait je devais venir de base et j'avais demandé à mon cousin et à sa femme qui sont juste ici. J'aurais dit venir, on y va et tout. Après on dit ouais mais c'est vrai, elles viennent pas. Du coup elles m'ont collé, je vais vous mettre les TikTok juste maintenant, comme ça vous allez comprendre un peu l'histoire. Hi. Mais ouais, je fais quoi ici? Mais c'est quoi ces valises là? Ça va pas? Bah on va venir avec toi. Mais Tokyo, tu fais quoi avec elle? Bah en fait, soit on vient nous deux, soit on la tue. Quoi? Tokyo! Comment ils ont eu? Comment ils t'ont eu? Mais je vous ai dit, j'ai pas assez d'argent pour prendre les deux, mais ça va pas. Mais vous prenez une valise et tout, ça va pas. Mais wesh, tu vas? Wesh, tu fais quoi? Mais sortez! Mais ça va pas! Mais Tokyo! On est arrivé à l'hôtel, donc là, c'est mon lit avec celui de Meissa. Et regardez, Auréa dort où? Auréa. On est en magnifique canapé. Vraiment, c'est le meilleur lit au monde. On est. Je suis refaite là. En fait, et juste en est rentrée, je fais. Auréa, je suis dans ici. Elle a même, oh, même pas de bonjour, même pas de bonsoir. Féministe! Bah, rien à voir. Sexisme. Non, rien à voir. Regardez la salle de bain de mon cousin. Trop bien. Elle est archi lourde, je vais vous montrer la mienne. Voici notre salle de bain. En fait, désolé, il y avait Meissa à l'intérieur, elle faisait caca. Non, même pas, ouais, je faisais un salle de bain tout. Et normal, tout le monde fait caca. Pourquoi dans la vie. Je fais caca, j'ai pas fait caca, tu peux sentir, ouais. La vie, j'ai même pas que tu faisais pipi. Tout le monde fait caca. Oui, mais là, j'ai pas fait caca. Oui, mais tout le monde fait caca. J'ai pas fait caca là. Fais caca, Meissa. Mais là, si j'ai, je t'aurais dit, là, j'ai pas fait caca. Sois, ouais, viens sentir, s'il te plaît. Oui, je sens. Non. Déjà tu dors pas avec moi. Auréa, tu dors avec moi ce soir, c'est fini. Je vais pas dormir avec toi. Pourquoi Auréa? Parce que déjà on est rentré, elle m'a jeté là-bas direct. Tu crois que je suis qui moi? Bon, attends, c'est Auréa. À mon tour. T'es Auréa la peste. Je préfère dormir seule que mal accompagnée. Je vais leur dire hello, is not I'm not sure with the PQ and I have I besoin d'aide. Tu veux la meuf qui est vendue du Real? Mais tu t'es même pas partie à Saint-Montréal. Mais la maline, mais quand je te gifle, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu fais la maline? Parce que moi, quand je te gifle, tu dis ouais, papy. On est trop gênante. Bon, les gars, je viens de sortir de la douche et Meissa va se loger. Et puis, c'est tout à l'heure, Sowell lui avait caché son doudou. Elle avait pété un câble. On va le prendre et on va le mettre dans le coffre-fort en fait. Comme ça, elle va péter un câble. Comment on met un code? Je sais pas. Vas-y, on va trouver. Imagine, il va se coincer ici à vie. Je te coince pas ici, Mahmoud. Hein. Il s'appelle Mahmoud encore comme code. On va mettre sa date de naissance comme ça. C'est bon. Oh là là, trop bien, vas-y, ferme. Elle va péter un câble. À la plage, en fait on a passé toute la journée ici, mais franchement on n'avait pas trop le temps de vlogger, etc. Donc là il y a eux, ils font des photos, moi j'ai fait un TikTok avec Auréa dans l'eau, franchement il était iconique, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon TikTok que je vous mets juste ici. Et là on va aller noyer Miss Auréa en l'eau, sous du scrap, merde, elle a son téléphone, téléphone, merde, t'as cru d'aller à qui? Ouais, merci Samuel, merci Samuel. Je vous ai dit que Lorraine ne savait pas nager. Mon téléphone. Regardez les gars ce que j'ai, elle m'a griffé. Parce que mon téléphone. Mais ça. Je sais pas. Et où je t'as parce que je rigole pas avec toi, il parle. Oh l'imrada. Eh ben, il parle pas des enfants. Frère, je t'ai griffé, tu fais la meuf qui entend pas, tu l'as, tu prends ta vidéo de merde là. Ah. Comment tu sais que j'arrive pas à respirer sous l'eau? Imagine, j'allais mourir, je rigole pas. En même temps qu'il respire sous l'eau. Qui respire sous l'eau? Mais moi, j'arrive pas à respirer comme vous. Vous tenez longtemps, moi, j'arrive pas. Là, combien on allait perdre un membre de notre famille. Enfin à l'hôtel, donc là j'ai pris ma petite douche et je me suis habillée, donc j'ai mis une petite robe qui vient de chez Pretty Little Thing et du coup là on va
pas tarder à aller manger. À part ça, je viens tout juste d'annuler du coup ma nuit d'hôtel pour demain soir ici. En gros, demain on va changer d'hôtel. Pourquoi? Parce que à Naples, il y a vraiment rien à faire. C'est pas ouf. Donc, faut aller plus dans la province de Naples. Donc, on va aller à Sorrento. Je sais pas si je vous ai raconté, mais Uri a oublié son passeport quand elle est venue dormir chez moi. Donc, mon père a dû venir à 5h du matin pour lui donner son passeport. Elle est là d'ailleurs. Elle a tout oublié. Elle a même oublié son chargeur. Et le pire dans tout ça, c'est que mon cousin ne s'est pas réveillé ce matin. On devait décoller à 7h10 et il s'est réveillé à 6h20, quelque chose comme ça. Et du coup, on n'arrêtait pas de l'appeler quand on s'est réveillé à 4h. Le mec, il était mort, il répondait pas, ni lui ni sa femme. Donc du coup, il répond à 6h20. Et je lui dis, Sorel, c'est mort, t'habites trop loin. Genre, il était à 30-40 minutes d'Orly. Et le mec, il est arrivé en 15 minutes, je sais pas comment il l'a fait. Ma nouvelle amoureuse. Hi, say hi. On est concentré ici, ok? Say hi. Hi. Dis-leur t'es qui, dis-leur que t'es ma femme maintenant. Non. Que? Non, non, je suis pas ça. Pardon? Attends, on regarde le match. Bref, et en face de moi, il y a mon ex. On n'a jamais été au couple, chérie. Arrête de t'envoûter les vies avec moi, parce que moi je t'ai jamais donné le temps. Les gars, ma pizza est arrivée. Regardez comment elle est belle. Oh là là, j'ai trop hâte de manger. J'ai pris une margarita. Et Uria attend sa pâte. Fromage. Et Maïssa, elle veut pas parler. Parce que. Enfin, les deux, ils veulent pas parler parce que Lyon a perdu. Enfin, Manchester City a perdu. Désolée. Elle est partie. Vraiment, le coffre avec un sur le coffre. Quel coffre? Ouvrez-le moi, wesh. Bah, je sais pas comment il s'ouvre. Si, hier il était ouvert. Allez, regarde, j'ai encore fait une petite blagounette, tu vas voir. Il est où? Qui il est où? Mahmoud. C'est qui Mahmoud? Mahmoud, wesh. C'est qui Mahmoud? C'est qui Mahmoud? Je t'enclume ou quoi? C'est qui Mahmoud? Mahmoud, le brocoli. J'ai mis le fort. Anniversaire. Si tu es intelligente, tu vas trouver. Toujours au nom de Dieu. Il veut pas sourire. T'as fait trop de fois. Il veut pas sourire. Oh. Oula, je rigole pas. Guidez. Qui t'a dit de faire mille fois? Guidez, je m'en fous. Qui t'a dit de le mettre là-dedans? Eh, on se tait. Non, de Mahmoud et Inès Darrel. C'est qui Mahmoud? 03. Son doudou, tout est bien qui finit bien, allez on taille. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc là aujourd'hui on va aller à Capri, c'est fini. Je sais pas si vous connaissez, arrête ça, ouais, stop. Et hey, il y a mon cousin, il arrête pas de me chub comme elle dit Maïssa. Ouais. De me chub. Regarde, ça va? Ouais. Tu es contente d'être sur ce bateau? Ouais. Qui est pas content? Ouais, alors que tu m'as suffi de te ramener. C'est une vieille question ça. On est arrivé à Capri et là on a loué un bateau privé et c'est trop cool parce qu'on va aller faire plein de trucs. Bon les gars, on est sur notre bateau privé, j'espère vraiment que vous m'entendez parce qu'il y a du vent, laissez tomber. Mais franchement Capri, c'est fini. Non je rigole, c'est magnifique, c'est trop bien. Et mon cousin est enfin content, il kiffe sa vie. Ouais.
manger. Vas-y Maïssa. Bon, fin du bateau les gars, c'était génial. Là on est dans un petit taxi. C'était superbe. On va à Capriville pour aller au jardin d'Auguste. Apparemment c'est le plus beau truc ici. Les filles, vous kiffez vos vacances? C'est iconique. De ouf. Et j'ai bronzé. Iconique. Iconique. Bon les gars, je suis dans la mer parce que mes claquettes sont cassées. Et là je suis pieds nus. Et bien sûr ils sont cassés à cause de qui? C'est pas à cause de moi. À cause d'elle. Du coup là on a la recherche des claquettes. Là, on cherche, ouais. On cherche à acheter des claquettes. Alors bon, on a trouvé des claquettes à 18 euros. On marchait pour aller au jardin d'Auguste et on s'est arrêté pour acheter des petites citronnades parce qu'ici apparemment c'est l'île du citron. Il y a du citron partout et même d'ailleurs on sent de ouf le citron, donc franchement. Non, moi je vais me prendre quoi? Comme je prends quoi? Pastèque. Mais on est dans l'île du citron. Non, je prends pas citron. On est dans l'île du citron et je prends de la pastèque. Bah oui. On va rendre hommage à la pastèque. Qui veut 1 plus 1 égale combien? 2. D'accord. On est arrivé au jardin d'Auguste et oh mon dieu, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Regardez wesh, c'est magnifique, je suis vraiment choquée. On va monter en haut parce que c'est pas fini, c'est encore plus haut en fait. Capri, c'est faut monter, 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 monter jusqu'en haut, c'est un truc de ouf. Capri, c'est fini et cette fois c'est vraiment vrai parce qu'on va quitter cette magnifique île. Donc on a passé 6 heures on va dire ici. Franchement Capri, c'est un de ces 4, vous pouvez venir, venez parce que c'est magnifique. Notre bateau est arrivé. Les gars, enfin arrivé à l'hôtel. Franchement, il est trop bien. Je vais vous faire un petit hôtel chambre tour et vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Du coup, là on arrive dans la chambre et on a mon lit. Et là on a le lit de Maïssa et Aurélien. Non, là-bas. Notre lit. Comment ça notre lit? En vrai c'est hyper italien, regardez le carrelage. Et on a notre petite salle de bain, regardez comment elle est trop trop belle. Franchement je kiffe de ouf. Un petit balcon avec vue sur la mer. Si là vous la voyez pas trop je crois. Ah si, on la voit. Là j'ai appelé mon cousin, en fait hier il m'a fait une frayeur. Il n'arrêtait pas de m'appeler et il s'est passé pour le mec de la réception. Il me disait ouais your visa je sais pas quoi et tout. Et en fait c'était lui. Du coup là je vais faire la même chose. Buongiorno signoro, il tuo veicolo è rotto. Scendi per favore. È rotto. Scendi per favore. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a quand il disait, il me parlait en arabe. Ouais, viens à la chambre. Bon, c'était cramé. C'est pas grave. On essaiera la prochaine fois. Enfin sorti, on a mis genre je sais pas combien de temps pour se préparer. Mais ça m'a fait des tresses, j'aime beaucoup trop. Pour rien, depuis qu'elle est arrivée, elle veut trop manger des pâtes. Donc aujourd'hui, elle va enfin les manger. Contente? Oui. Are you content? Yes, yes. I'm tu veux manger des pâtes à quoi? Oui. À la. Pas à la bolognaise. Je sais pas, on verra. Des crevettes. Mais what the...
Regardez les gars, je sors de la douche et je vois ça. Mais c'est pas possible. Bonjour d'abord. Ouais, 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 ouais. Je tiens à préciser qu'il a 30 ans. Vas-y. Il a 30 ans. Regarde, c'est pas la piscine. Elle a bouché son bébé quand elle a sauté. Ouais. Ah, salto, allez, allez, Maïssa. Maïssa, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les belles. Mahmoud aussi veut sauter. Bon, c'est bon, on a pris notre petit déj et là on est descendu à la piscine. Regardez, madame Maïssa. Regarde, tu vas sauter. Là, y a Maïssa, Ouria, Soel et Fatna qui vont faire une petite bataille dans la piscine. On va bien rigoler, je vais vous filmer tout ça. Et là, ce que vous devez faire en commentaire, c'est voter à l'avance pour vous qui va gagner, l'équipe de Fatna et Ouria ou l'équipe de Soel et Maïssa. Attends-toi, stop, revenez, revenez. Wesh. Vas-y Ouria, impose-toi. Impose-toi Ouria. Fatna, remonte. Merde, elle est morte, c'est bon. Bravo Maïssa. Échec aujourd'hui, je vous explique, on est parti à Positano. Donc là vous avez vu du coup les images, enfin, c'était archi beau, iconique. J'ai trouvé un restaurant qui était là-bas depuis 1950. Donc je me suis dit archi bien mangé. Il était bien noté en plus. Et on arrive, impossible de se garer. Impossible, on a fait je ne sais pas combien de tours, etc. C'était blindé de fou malade. Donc du coup on est venu à Naples, on a essayé d'aller manger. Mais puisqu'on est lundi, tout est fermé, je ne sais pas pourquoi. Et on se retrouve maintenant, actuellement. En vrai, échec, regardez. Un McDo. Au McDo. Non, vraiment, échec. Là, on a fini le McDo, on est à l'aéroport et on est venu manger des glaces. Parce qu'on ne pouvait pas quitter Naples sans manger des glaces parce que sinon, mon cousin aurait pété un câble. Il aurait boudé de ouf. Ça, c'est les petites boîtes qu'on a. Il y a du chocolat à l'intérieur. Iconique. Et ça, c'est des parfums. Regardez la glace, elle est trop trop belle. Oh là là, j'aime trop. Et leur chocolat, il est trop bon. Trop triste de rentrer. Oh, un masque, ouais. Oh. Il y a un masque. Il y a un masque, non? Bon les gars, là on va décoller. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Merci. Mais est-ce que t'as kiffé des vacances? Yeah. Est-ce que t'as un truc à dire? Oui, je pense que Morane va m'emmener avec elle à Marseille et à Cannes. J'espère bien. On y croise les doigts. Je pense pas. Là déjà l'Italie c'est déjà trop. C'est notre amour. C'est du caca. Elle a transformé notre amour. Ok. Ça a jamais été l'amour. What? It's dead. Not dream. T'as kiffé? Oui. Dis un truc. Oui. Profitez les gars de vos vacances et bientôt la rentrée. Qui va aller en cours? Caprice c'est jamais fini. Caprice, on va repartir c'est bientôt. Jamais fini.